Salut tout le monde, bienvenue au jeu des rôles. On va faire la deuxième mission de Alien Fireteam Elite. La première, c'était un échec. Alors, de mon côté, je vais la faire. Je l'ai complétée, la première mission de mon côté par après. Mais je vais vous montrer maintenant la deuxième mission. Je ne sais pas s'il va y avoir une troisième mission. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo là. Mais on verra. Mais avant tout, le but de cette vidéo-là, c'est pour préciser un peu c'est quoi Fireteam Elite. Alors, vous le savez vraiment, c'est un jeu de Alien qui est vraiment... ça respecte vraiment les films. Et ils disent que c'est une suite de 3 films. Alors, à date, je vois que oui, mais il n'y a pas de suite. On ne voit pas les personnages des films dans ce jeu-là. J'aurais voulu qu'ils ajoutent ça un petit peu plus, ça aurait été top-notch. Mais comme je vous dis, je viens de débuter le jeu, alors je ne peux pas confirmer à 100%. Les développeurs, c'est Cold Iron, j'allais dire un autre nom, c'est Cold Iron. Ils se sont mis en collaboration avec Disney 20th Century Games. Alors, pour faire ce magnifique jeu-là, ce magnifique jeu, je veux dire, et... 20th Centuries, je crois que c'était des éditeurs de films, si je me souviens bien, mais je ne suis pas très sûr. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires si je me trompe ou non. Un jeu à la troisième personne, moi j'adore les jeux à la troisième personne. À la première personne, après une heure ou deux, je commence à avoir mal à la tête. À la troisième personne, je pense que vraiment, moi je trouve ça bien et on voit vraiment le personnage, et on voit vraiment les armes. Autre chose que je veux dire aussi, c'est que ça respecte vraiment le son et la musique. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est de la musique de cinéma. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on voulait de plus, c'est ça. Bien sûr, ce ne sera pas le jeu de l'année. Il ne gagnera pas des trophées. Mais je pense que c'est une petite touche à ce jeu-là, pour les nostalgiques comme moi, qui ont adoré les Aliens. Et évidemment, aussi, il est compatible sur toutes les plateformes, sauf, bien sûr, la Nintendo Switch. C'est une autre catégorie de consoles. Mais PS4, Xbox, Xbox Series X, Xbox normal, PS4, PS5 et le PC, vous pouvez le trouver. Et aussi, il n'est pas cher. Alors, je pense que ça entoure le tout. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo-là, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, bien sûr. Et me laisser un petit commentaire, ça va me faire plaisir aussi. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, alors ben écoute, et si tu aimes le contenu, bien sûr, abonne-toi, ça va me faire plaisir. Et n'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour que tu reçois la notification de mes vidéos et de mes lives. Allez, on va faire la deuxième mission, les amis. Let's go, on se lance tout de suite. Ciao! Bon, alors, on apparaît ici dans le hangar. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous donne comme deuxième mission. Je pense, elle, parler à S.C.H. Herrera. You think if bugs drool in their sleep, they wake up stuck to the floor? Actually, do they ever sleep? Ok, et aussi le jeu, tu peux pas le mettre en français. Que j'ai mis la traduction, les sous-titres en français, la traduction, je veux dire. Et ça, c'est un peu triste aussi. C'est un autre point négatif du jeu. Bon, ok. Alors, ça dit, je suis d'attaque pour une nouvelle mission. Let's rack up the highest kill count in this whole damn battalion. Bon, ok. Si ça devrait être celui-là. Priorité numéro 1. Répondez à un appel de détresse de la raffinerie Katanga. Localiser et évacuer le docteur Timothée Inoki et scientifique Waylon Yutani. Sa sécurité est entre vos mains. Bon, ok. Let's go. On va se fier à ça et on lance la mission. Difficulté standard. Toujours standard. J'aime bien avancer comme ça. Et on va attendre évidemment un fil d'attente parce que c'est un jeu qui cherche à rejoindre d'autres joueurs. C'est un peu ça aussi. Fire team, this is a rescue mission. You're boarding Katanga, a derelict orbital refinery. Ingress is via the forward airlock. You'll locate, secure, and evac Dr. Tim Honecker, a Weyland-Yutani scientist. So mount up, people.
Alors, évacuer le docteur Tim Honecker, un scientifique de Wayland Unity. On attend les joueurs. Évidemment, si vous avez le jeu, je vous inviterai à jouer avec moi. On pourrait faire un petit live ensemble. Ou juste par pur plaisir, on peut se faire une petite partie si vous avez le jeu. C'est des parties, des parties à 3. J'aurais voulu que ce soit peut-être 4 joueurs. 3 joueurs, je trouve que c'est pas assez. Et évidemment, comme il n'y a personne en ligne, ils m'ont mis avec des robots. Avec des androïdes. Alors, comme je vous dis, ça ne gagnera pas un trophée, ce jeu-là. Par contre, si vous êtes un fan des Aliens, je pense que ça va être un top. Un top. Je ne sais pas ce que je dis, mais ça va être super bon pour vous, en tout cas. Dans chaque loco, dans chaque carte, il y a une boîte à trouver. Ça nous donne des munitions. Alors, n'hésitez pas à fouiller un peu partout. Mais évidemment, la plupart du temps, on suit le point de repère et le scan. Il y a un scanner ici en bas à droite. Ben, je vais tasser un petit peu. Comme ça, voilà, pour que vous voyez un petit peu plus le scan. Just emergency lights. And maybe we can get the backup power after we grab Honecker. On va fouiller un peu. Moi, si cette porte-là s'ouvre, non. L'émission dure à peu près entre 20 et 30 minutes. C'est quand même assez rapide. Mais pour l'instant, je n'ai fait que quelques missions seulement. Et je peux pas te confirmer ça à 100%. Patch into the console. I'll pull it down over wireless. Bon, je regarde un peu tout. Ok, on va aller activer ce truc, se connecter. Give me a second. I got a deck plan. Backup generator is beyond Honecker's ping. We can kick it after we grab him. J'ai avancé du côté d'épée Honecker. Ok, parfait. On va se dépêcher. On restera pas là assis à. Honecker, this is the Colonial Marines. You hearing me? On entend déjà les aliens respirer. Continue your sweep. Et le scanner qui commence à sonner. Ok. Je sais que c'est de l'autre côté, mais j'aime bien venir voir un peu ici. Bon, il n'y a absolument rien. Il devrait être ici. High speed incoming, get hot. Il dit qu'on a aussi en arrière. Oh, ils sont beaucoup. Ok, let's go. Qu'on se grouille. On n'a pas le temps de rester ici. Faut faire ça vite. J'irai pas là-bas. On va couper ça. Oh, il y a des aliens. Mais mes deux androïdes sont là pour les exterminer.
Et voilà. Ok, c'est good. On continue. Ah! Oh shit. Oh. J'ai explosé l'écran à celui-là. Allez. Hey, I got an idea how to track down Honecker. Ah, voilà. Searching this whole barge would take too long. On va... Hold that thought. Incoming. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'on doit rester ici. Ok, go, go. There's a data line just starboard of your position. Xenos! Lots of Xenos! On va se dépêcher. Oh! Il est où le gros? Il est parti? I'll get Esther analyzing that. She's our battalion synthetic. Keep moving aft. Ok, on se dépêche. On décarpe d'ici. On se sauve, on reste pas là. Et est-ce qu'il me suit lui? Allez, go, 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 les robots. On reste pas ici. Je les entends venir en plus, je les entends venir. Il reste un robot, allez, 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 vite. Wow. Oh, je me fais ramasser. Il est parti où? Vraiment, c'est sérieux. Ah, qu'est-ce qui arrive? Medic. Bon, ok, on doit partir d'ici. On reste pas ici, on s'en va. Allez, je me guéris un peu. Les secondes, on continue. Reste pas planté ici, on reste pas planté ici. Oh oh! Elle est pas contente, elle est pas contente. Ok, est-ce que je peux... Je pense que je peux planter un... Activer. On va l'activer ici. Est-ce que je l'ai activé?
Attendez un instant. Voilà. Mettons ici et on va en mettre un sûrement. Parce qu'ils vont arriver, puis je veux vraiment pas me faire prendre. Et alors, ça. Non. Moi, je pense que j'en ai plus. Ah oui, j'en ai un autre. On va le mettre aussi ici. Et voilà. Allez, on fait ça. Il aime vraiment pas ça que ça brasse. Où ça? Là-bas. Ils sont partout en plus. Oh. Ok. Allez, dépêche-toi. Oh, il était gros lui. Bon, on sort d'ici. On reste pas trop longtemps, on marche pas, on court. J'aurais dû me garder une tourette. Une tourelle, je veux dire, pas une tourette. Une tourette, c'est une maladie. Ah putain, il est derrière moi. Oh shit. Oh. J'espère que la couille n'est pas réveillée. Oh. Pardon me. I have completed my analysis. 2 weeks ago, the main train on deck 41 was accessed, I believe, by Dr. Honecker. Pas de munitions quelque part ici. Marines, head to the core lift. Big freight elevator goes all the way up the main tower. J'aurais voulu avoir au moins des. Oh man. Salut. On your toes, fire team. Watch the vents. Watch the. On a regardé la ventilation. Ben oui, merci beaucoup. Allez mon équipe, on s'en va d'ici. Je cherche des munitions. Faut absolument que j'ai des munitions parce que là... ils sont partout.
Ils sont rapides en plus. Ah! Il y en a d'autres? Oh là, il y en reste un à tuer. Routing you through the refinery core. Ok, je prends tout. Ok, on passe par ici. When we reach Honaker, we're gonna have to ID by his blood or by his teeth. I got a pool running. Listen. Ah, encore. Oh, le salaud m'a blessé. On se guérit un peu. Let's go. I'd say test the echo, but you know, bugs. Got some big internal leaks. Never a good sign in space. Salut. On est quand même assez bien, on s'en sort assez bien, mais je suis encore blessé. Wow! Oh my god. Munition. Secrète trouvée. Ah, c'est cool ça. Mais j'ai plus de vie. Malheureux. Faut que je trouve un truc qui donne la vie. That's the lift. Entrance on the far side. Ok, c'est bon. Same deal as the generator. Expect little friends to pop out all over when this turns on. 17 decks up. Take a while to show. Set up a perimeter, then hit the call button. Ok, c'est bon. Et on va prendre ça. Et on va le mettre ici. Alors. Et on va aussi peut-être essayer autre chose. C'est quoi ça? Balle incendiaire. Oh! Et ça, c'est des grilles électriques. Ah, c'est pour être intéressant, c'est les grilles électriques. On va mettre ça ici. Ok. On est prêt? Let's go. Here they come. This is a big damn signal. On va dans la merde. On va les garder les plus longtemps, les plus loin possible. Incoming, on the left. Oh oh. Ah, oh, faut pas que je pile là-dessus.
Moi, je protège aussi mes androïdes parce que ils m'aident beaucoup. Alors, je vais rectifier les tirs. Je pensais que c'était la deuxième mission, mais dans le fond, je suis en train de finir la mission que j'ai échouée hier. Je crois que j'ai passé déjà le point où c'était échoué. Ben, en fin de compte, je pensais que c'était la deuxième mission, mais tant mieux. Tant mieux si on finit celle-là. Ah, les salauds, ils arrivent par là. Bon, ils se sont sauvés. Il reste quelques-uns, J'ai plus de munitions, merde. Allez. Oh, mission complète. Point de contrôle atteint. Ouh, c'était chaud celle-là. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode extraordinaire, cette première mission. Je rectifie le tir, je pensais que c'était ma deuxième mission, mais en fin de compte, j'ai repris ma première mission comme je ne l'ai pas complétée hier, j'ai mouru et ben, j'ai complété aujourd'hui la première mission. Merci encore et gros merci pour le support et le soutien que vous faites sur ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, aussi le petit commentaire aussi, n'oubliez pas. Et bien sûr, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu. Allez, moi je vous laisse, ciao ciao. Woo!